monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un gros paquet. Enfin vous, je pense que vous vous rendez pas trop compte en fait, peut-être comme ça, je sais pas, c'est énorme. C'est le lot que j'ai gagné au concours de Valscrap, voilà. Et du coup je l'ai reçu hier soir, je ne l'ai pas ouvert et donc j'ai attendu ce matin en fait pour l'ouvrir avec vous. Voilà, je vais vous faire découvrir ce que j'ai gagné, sachant que Val avait fait une vidéo où elle montrait les lots en fait, puisqu'il y avait trois lots et j'avais eu la chance d'avoir le premier lot, chose qui est étonnante parce que je suis généralement, je ne suis pas trop chanceuse. Donc là, j'étais trop contente. Alors, le gros carton, dans ce que j'avais compris au départ, elle l'a dit, c'est parce qu'il y a des grandes feuilles 30-30. Donc, du coup, il fallait un grand carton. Voilà. Et du coup, regardez, il y a plein de... Voilà, hop, je vais enlever tout ça. Et après, je vais mettre le carton à côté. Voilà. Là, voilà, voilà, là, voilà. Donc, vous voyez, hop, il y a tout ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais le mettre à côté, voilà, et je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton. Il est grand, ça prend toute la place, et puis vous allez rien voir du tout. Alors, je prends et je montre. Alors, déjà, il y a les pardon. Il y avait le lot des fameuses petites boîtes que moi j'aime beaucoup parce que, il y a quand même pas mal de place. Hein. Moi j'ai commencé à remplir les miennes. Alors, je vais vous montrer pour l'instant ce que je mets dedans. Donc, hop, j'avais fait mon astuce que après je vais... de gens m'ont dit que j'allais décorer. En fait, je vais pas mettre grand chose dessus parce que je suis j'aime bien changer, et donc du coup ce qu'il y a dedans, il est fort possible que ça change, que je mets d'autres choses. Mais ce que je vais faire, chez Action il y avait des papiers adhésifs, et du coup c'est ça que je vais faire. Je vais juste utiliser les papiers adhésifs pour remettre dessus, pour coller dessus, pour que ça fasse plus joli que le carton. Et c'est tout. J'aime bien quand c'est simple. Voilà. Et donc, voilà comment moi, j'ai mis. Vous voyez. Là. Mais les petites fleurs, par exemple. Hein, ça... Pour faire mes petites fleurs. Voilà. Je les ai préparées comme ça. Donc, hop. Hop. Et vraiment, voilà. Et là, vous pouvez... Et sinon, on peut les ranger à l'envers, hein. Pour voir ce qu'il y a dedans, on peut pas les ranger comme ça, puisque comme ça va pas, ça sort pas avec le carton, voilà. Et elles tiennent bien, même elles s'emboîtent quand même, hein, quand elles sont à l'envers, elles s'emboîtent pareil que dans l'autre sens. Oups, voilà, j'ai fait mon petit speech de mes petites boîtes, donc je suis trop contente pour mes petites boîtes, voilà. Ensuite, un massicot. Alors, c'est pareil, on a tous des massicots, mais comme les lames, elles s'usent très vite, donc c'est bien. Ça me fait un tout neuf de côté, voilà. Je suis trop contente. Ensuite, il y avait, elle avait mis plein de bâtons de colle. Je pense que ça doit aller dans ma... Comment dire, dans mon pistolet à colle. Moi, j'ai le pistolet à colle. C'est un coffret, en fait. C'est de chez Action. N'importe quoi. De chez Lidl. Et je pense que c'est les bons bâtons de colle. Voilà. Et comme j'en ai plus beaucoup, en fait. Donc, si c'est les bons, c'est merveilleux. Ensuite, il y avait... Les bâtons de colle, oh là là, ça va mal ce matin. Les encres de chez Action, voilà, les pattes.
Je les ai tous aussi, mais comme on les utilise, enfin, en tout cas, moi, je les utilise facilement maintenant, que ce soit pour faire les fonds, pour ancrer, tout ça. Donc, voilà, c'est génial. Voilà. Ensuite, alors, il y a des petits stickers en 3D. Ils sont trop beaux. Là, avec le vélo, avec les petites fleurs, petit oiseau. Enfin, bref, j'aime bien. Ils sont très jolis, très printaniers. Hop. Ensuite, ah, c'est marqué petit bloc acrylique. Alors, quand j'ai vu... quand elle a montré les lots et qu'elle m'a montré ça, du coup, j'ai pensé fortement à ça. Parce que justement, hop, mon petit tampon, voilà, de crâneuse. En fait, la plaque, le bloc acrylique le plus petit que j'avais, c'était celui-là, en fait. Et bah, du coup, voilà, ça me fait un petit et du coup, je peux le laisser comme ça. Et j'en ai un autre, là, c'est pareil, c'était un petit. Et du coup, je suis contente parce que ça fait des petits. J'avais pas du tout des petits, dans les blocs acryliques, j'avais le, voilà, c'était que des grands ou le plus petit, c'était celui-là. Et du coup, je cherchais un où je pouvais laisser tout le temps mon petit tampon, en fait. Voilà, une fois qu'on le met, le laisser. Voilà, le laisser tout le temps dessus. Pour le ranger, c'est impeccable en plus. Donc, voilà, il sera toujours là à côté de moi. Hop, donc ça, c'est bon. Alors, après, il y a... les fameuses feuilles 30-30 du Le Grand Carton. Hop, je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien. J'allume pas la lumière parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et quand on allume la lumière, après, ça, on ne voit pas forcément mieux. Je trouve que souvent, on voit mieux les vraies couleurs avec la lumière simplement du jour. Voilà. Donc, voilà. Hein. Je vous les mets comme ça. Je pense que... là, vous les voyez bien. Là. Oh, j'adore ce papier-là. Je l'adore. Là aussi. Ici. J'adore cette couleur-là. Ça. Pareil. J'aime bien tous ces papiers-là. Hop, là. Oh, j'adore. Ça aussi. Ah, mon épine gratte. Là, de l'autre côté, vous avez plein de petits mots, en fait. Là, encore les meubles qu'on peut découper, hein. Ou utiliser comme ça derrière, mais bon, je peux plus découper. J'ai le bloc où il y a ça. Là, j'adore. Et derrière, c'est beau aussi, en fait. Rose, des petites fleurs. J'adore. C'est que des... pour l'instant, les feuilles, c'est presque tout ce que j'adore. Là, j'aime bien aussi. Oh, regardez celui-là. Je l'ai aussi et je n'ose pas l'utiliser parce que c'est trop beau. Là, la forêt, ça fait beau pour un album. Là aussi, j'aime bien rose. Cela aussi, j'ai et j'adore. J'adore ces les fleurs. Là, ça fait joli. Là, là il y a des petits rayons, j'aime bien. Petite clé. Hop. Des rayures bleues. Des,
petit bleu et un petit, les petits points, c'est un peu vert. Et là, les rayons, ça fait vert. C'est joli l'ensemble. Voilà, beige. C'est joli. Oh là, il est trop beau pour l'automne. Très beau papier. Là, j'adore aussi. Là. Joli. Comme tout. Hop, là. J'adore les fonds comme ça en toile de jute. Là, on peut les découper. C'est ceux qui sont comme ça, hop et hop, qu'on peut découper. Dommage parce que il faut faire un choix, soit d'un côté, soit de l'autre, si on veut découper. Ça, c'est joli aussi. Là, ce côté-là, j'adore cette couleur-là. Et hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ben, dis donc, il y en a des feuilles, hein. Voilà ça, ensuite hop, voilà. Il y a la pochette en fait avec des enveloppes, voilà, avec une belle fleur comme ça. Félicitations. Hop, je vais ouvrir et dedans il y a plein de hop, il y a plein de petites choses. Alors hop, je commence par la première du fond. Ça c'est plus, oh j'adore, oh, là comme ça, j'adore. Oh, peut-être comme ça je vais faire comme ça, je vais remonter. Oh, ils sont trop mignons. Là il y a des petits mots, là des tampons comme ça. Je vais remontrer un petit peu comme ça en espérant que vous le voyez bien, parce que je ne sais jamais vraiment où placer. Comme là, j'ai remonté un petit peu pour qu'il y ait plus de... qu'on voit plus loin, c'est le cas de dire. Là, une cigogne. Ouais, si, c'est une cigogne, je crois. Petit oiseau. Un iris. Et hop. Un cadre, et là vous avez les coins. Voilà, ça est tamponnage. Ensuite, des petites découpes, un hippocampe, des petits carrés, hop, des petits carrés, oups, des petits. Oh, j'aime bien ça. Là, j'adore. Là. Hop, là, là, donc vous avez vu les petits. Je vais mettre comme ça un à la fois pour qu'on le voit bien. Celui-là, voilà, j'adore. Donc, hop, ça, c'est les carrés blancs avec les petits trous autour. Ensuite, oh, regardez-moi ça, comment c'est magnifique ce cœur. Il est magnifique. Trop beau. Là, le même en vieux rose. Oh là 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 là, il est magnifique. Là, ça. Celui-là, j'ai le die pour cela. Les plumes, c'est superbe. Oh là là. Elles sont trop belles. Fleur blanche. Là vous avez la tasse, hop, et la cafetière. Voilà. Oh, c'est trop joli le petit, ça fait comme une étiquette en fait, hein.
C'est trop beau. Quand je mets là. J'ai vu qu'il y en a d'autres ici. Donc, je vais mettre à côté. Oh, regardez la belle chouette. Par contre, on ne va pas beaucoup la voir. Ouais, ça fera mieux comme ça. Regardez. On va penser tout de suite là. Le pinceau, il est trop beau. Hop là. Il a un tout petit napperon sur du rhodoïde. Ou vélum. Non, du vélum. Là. Ensuite, là, vous les avez. Alors, je vais enlever comme ça. Comme ça, je remettrai ensemble. Ça, ça reste là. Donc, ça, c'est pareil que ça. La même chose. Après, vous avez, c'est les étiquettes qui vont dedans. Et hop, il y a des petites cartes. Ouais, là, les petites cartes. C'est cool. Et les dés. Oh, c'est trop mignon. Les dés et les cartes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est super. Si je veux faire un truc d'Alice, je vais avoir des petites cartes. Hop, je mets tout ça dedans. Elles sont très belles, les découpes. Vraiment très très jolies. Voilà. Parce que ça, j'avais pas vu. On avait vu dans la présentation du lot que ce que je vous ai montré au départ. Tout ce qui est découpe, tout ça. Je savais pas ça, hop, comme ça, ça comme ça. Bonheur, le mot bonheur, ça c'est encore une autre petite fleur. Hop, ça c'est des hippocampes encore. Hop, hein, deux petits hippocampes. Je vais délicatement le mot bonheur encore. Et là, par contre, c'est joli, ça. C'est tout en... Ouais, je l'ai le die aussi. C'est beau en noir. J'aurais pas pensé à faire les découpes en noir. Ça, j'en ai pas. Hop. J'arrive même pas à prononcer le nom de ça. Là. Donc, hop, là, c'était donc le mot bonheur. La chouette ou l'hibou, je me rappelle pas. À chaque fois on me dit c'est ça ça ça, mais non, je joue la fois d'après, j'ai déjà oublié. Ça c'est trop beau. Hop. Là, et les petits mots bonheur. Et voilà, je vais mettre comme ça là dedans. Ensuite il y a maman unique, je crois. Des mots, dernier maman unique, voilà. Beau. Hop. Là maintenant je peux plus dire que j'ai pas de mots, parce que là il y en a des, entre tout ce que j'ai pu recevoir comme des coupes de mots et puis bon les dies que j'ai eu, je le mettrai après. Là, je range comme ça, et là on a des petites ouais, ça fait comme des petites pinces. Regardez, elles sont trop mignonnes. C'est les, comme ça, les petites pinces comme ça. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Et j'en ai pas.
Regardez. Je ne vais pas toutes les sortir, c'est toutes les mêmes. Mais regardez comment c'est trop mignon, les toutes petites. Là, j'adore. C'est trop beau. Hop, on va tout remettre dans le petit sachet. Et voilà. Ensuite, ces deux petites enveloppes. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop joli, la tour Eiffel. Oh, c'est trop, trop joli. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop beau. Regardez. Ça, c'est les... comment on appelle ça, les bouchons, je sais pas comment on dit, altérés, ou je sais pas comment on dit ça là. C'est trop beau. Je suis vraiment pas douée pour retourner et pour retenir les termes, hein. Mais en tout cas, c'est super joli. Voilà. C'est les bouchons, pas les bouchons, les capsules. Voilà, c'est les capsules altérées, je pense. Voilà. C'est trop joli. Bah, dis donc, je crois que c'est toi qui l'as fait, parce que je crois que tu avais acheté les petites breloques avec les petites chinoises. C'est trop, trop joli. Vraiment, merci, merci. Et puis, oh là, ça, j'adore. Faut faire des petits bijoux d'album, même des petits porte-clés. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai acheté il y a longtemps, mais j'utilisais ça pour les porte-clés, pour faire des porte-clés. Voilà. Dans la petite enveloppe. Voilà. Ah, j'ai sauté une... J'avais sauté... Oh là là, comment c'est joli. Oh, Saraké. J'adore Saraké. C'est toute ma jeunesse, Saraké. Il est trop beau. Alors ça, c'est magnifique. J'adore. Ces images comme ça, c'est un peu... Enfin, pour moi, je dis toujours à l'ancienne, parce que je trouve que j'adore. C'est plein de douceur. J'adore, c'est trop beau. Et là, mon petit... Ah oui, j'ai commencé par la fin. Il y a la carte qui était au début. Là, ma petite carte à action de 15 euros. Oh, elle est magnifique. Regardez. Avec des boutons. C'est magnifique ce que tu as fait. Regardez-moi cette carte. Là, des boutons. J'adore, j'en ai plein. J'ai des kilos de boutons. Je n'avais pas pensé à l'utiliser comme ça, ceux-là. Ils sont trop beaux. Comme ça aussi. La plume, là, la fleur. À chaque fois que je vois les créations des copines avec les fleurs comme ça en métal, je suis toujours en extase. Et quand je sens mes fleurs comme ça en métal et les feuilles aussi, eh ben, j'arrive pas à les utiliser. C'est fou. En fait, c'est avec tous les mélanges, hop, ça ressort bien. C'est peut-être parce que je mets pas assez de choses pour que ça s'intègre dedans. Je sais pas, mais je trouve que c'est super joli. Et donc, hop, il y a mon petit mot. Bah, c'est moi qui te remercie, hein. Franchement, tout est beau. Et j'étais gâtée. Enfin, voilà. Tu t'es pas... je sais pas comment dire ça. C'est... tu nous as gâtés, en fait. Voilà, pour le concours, tu nous as gâtés. C'est vraiment trop, trop chouette. Et en plus, je suis contente parce que c'est que des choses que j'aime. Voilà. En fait, tu savais pas que c'était moi qui allais gagner. Et en fait, quand je vois les papiers, le choix des encres, même la colle, tu ne savais pas.
voilà, que j'en avais presque plus de là comme ça, en fait, de la grande. Et hop, les boîtes, je les adore, mes petites boîtes. Bah, au début, je dois avouer, quand je les ai achetées, j'étais un petit peu dépitée parce que j'ai cru que j'allais pas les utiliser. Mais maintenant que j'ai trouvé mon astuce. Et d'ailleurs, dans les astuces, il y a aussi une copinette qui a parlé de... qu'éventuellement, on peut mettre de la mousse. Vous savez, la mousse pour qu'on fait les fleurs ou les trucs comme ça. Et donc, mettre des petites plaques de mousse, ça doit tenir aussi. Enfin, moi, je n'ai pas testé pour l'instant. J'en ai de la mousse, mais je n'ai pas, pas testé. Pour l'instant, moi, la mousse, je m'en sers pour mes petites fleurs. Voilà. Bah, écoutez... J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Moi, j'étais trop contente de gagner gagner à ce concours. Parce que c'est vrai, je gagne pas... Enfin, non, je suis pas du tout quelqu'un qui gagne facilement. Voilà, je rame beaucoup, hein, que ce soit au jeu des concours. J'adore jouer au loto. Au loto, vous savez, dans les salles. Voilà, avec les petits vieux... Les petits vieux, moi j'adore cette ambiance là, j'adore aller. Et ben, c'est mais rarissime, rarissime que je gagne quelque chose. Et comme par bonheur, je lève mon doigt que j'ai gagné quelque chose, c'est parce que j'ai eu un petit lot de consolation, autant vous dire, donc pas grand chose. Mais voilà, moi j'adore jouer, ça n'empêche pas. Voilà, et du coup, enfin, j'adore participer plus exactement. Donc là, j'étais super heureuse. Alors, ma petite balle, merci, merci, merci. Je te fais des gros, gros bisous. Et vraiment, longue vie à ta chaîne. Allez la voir. C'est la chaîne Valscrap. Elle fait plein de jolies choses. Et puis, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment très, 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 très gentil. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Gros, gros bisous. Gros bisous, Val. Et merci.